kole abunda bana unabula kanga chéri je t'adore. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous très confortablement. Bienvenue sur votre chaîne préférée, NG Télévision, l'unique chaîne privée à l'ouest du Cameroun, votre chaîne de proximité, votre chaîne leader. Puisque le Cameroun bilingue, this is the Cameroun bilingue country. Me, I'm not speak to the English because my Pekin don't go to school. He go speak to English. Bien. Over to you. Bien. Ouais. Ne touche rien. Non. Notez bien. Note abonné. Ne touche rien. Bien. Dis que l'émission a commencé. Dis d'abord que l'émission a commencé. J'ai un cadeau pour toi. Dis. Oui. Speak to the English. Yes. Ladies and gentlemen, welcome to our émission en replay of the lamp to the NG Télévision. Because you have come to Balongwa Kombi. Open your mind to receive on place of the lamp of NG TV because the banana is coming down to us. It's very well. I love you, the population. Pray the anti-passion in the audio. Je ne sais quoi? Ça fait de nous, non? Happy Christmas. Happy Christmas. Bon. Bien, avant de faire l'émission, tu sais qu'aujourd'hui j'ai baptisé ces journées Journée mondiale de la cravate. Est-ce que tu sais nouer une cravate, mon fils? Bats-toi à nouer une cravate, tu comprends? Il faut nouer la cravate parce que désormais, c'est toi pour mes spectacles, tu comprends? C'est toi qui vas maintenant nouer toutes mes cravates. Ta main, elle est un peu abigail derrière. Mesdames et messieurs, installez-vous très confortablement. On va d'abord saluer tous les techniciens qui sont en train de se battre pour produire l'émission. On va saluer le grand Simon qui est du côté de la régie là-bas. On va également saluer Monsieur Frenja. On va saluer Assein Youssa. Installez-vous très confortablement. Vous savez, l'émission Plat du Riz, c'est l'unique émission qui vous donne les faits divers et qui vous informe en même temps. Ça vous chasse le stress. Oui, mon fils. Merci, battu. Elle fait quoi? C'est comme ça qu'on noue la cravate. Comment responsable? Non, il faut nouer ça bien, tu comprends? Nous, comme la cravate de monsieur le gouverneur, nous ça bien. On va parler. Le gouverneur, il a on va parler des choses qui se sont passées tout ce week-end. Oh, c'est pas les caco. On va parler d'un monsieur qui est en tout cas, qui est déjà devant les tribunaux parce qu'il a abusé de la réunion. Du côté de Banjul-Lévin. On va également parler d'un autorité, en tout cas. On va parler des dictionnaires, parce que le week-end n'a pas été facile. La ville était mouvementée. Les avants sont sortis, les autorités étaient là, les ministres du côté de quoi comme Lévin. On va également parler des cas d'accident en Russie ce week-end. On va commencer d'abord par un monsieur qui a abusé de sa réunion. C'est-à-dire, il est au quartier, les gens font la cotisation. On lui dit qu'il faut aller verser ça en banque. Qu'on a ouvert un compte bancaire comme ça pour la réunion. Quand on lui donne l'argent qu'il va verser, le père de tuer, il n'est pas jamais versé. Parfois, il n'est pas versé la moitié de ce que la réunion a donné. Les gens m'ont parlé jusqu'à dire que. Vous appelez ça que le truc d'argent, ou on appelle ça quoi. Donc. Tu as les problèmes comme ça, il te vend l'argent. Qui fait les yeux? Où les yeux, ça veut dire quoi? Donc il prend l'argent comme ça, il dit va verser dans le compte de la réunion. Quoi? Il parle. Oui, mets dans les sacs, papa. Mets dans les sacs. Quoi? Mets dans les sacs, papa. Ne fais pas ce que Betty va te taper ici là. Il a aussi sa maison comme maison, vous savez, le mec dans ma. On va dire merci à Betty et avec toute l'équipe de NG Télévision qui a décoré le plateau. Bien, tu vois comment le plateau de plat du riz n'est plus seulement le gars là, non? C'est nous qui allons commencer. Il y a même déjà les cadeaux qu'on va donner à tous les téléspectateurs. Papa, c'est comme si il y avait déjà les bonnes années. On dit le Noël. Bonne année, c'est bientôt. Le père de Tui est parti maintenant. Comme ça, c'est décembre. On doit casser la banque. Pour les feux de fin d'année, les papas et les mamans sont sortis. Pourquoi pour banque, on va casser la banque. On doit casser la banque. On est arrivé maintenant. Le père de Tui n'est pas venu avec l'argent. On a dit que. Il avait gardé l'argent à sa mère. Il avait gardé à sa femme. Il n'a pas la totalité. Il y a les gens qui ont prêté l'argent et n'ont pas remboursé. Il n'a même pas dû à retirer. Qu'ils ont prêté
L'argent, ils n'ont pas remboursé. Le paix des trucs comme ça, on a seulement dit qu'on ne doit pas comprendre ça. Restons toujours avec ces frères divins, mesdames et messieurs, du côté de Bafoussam. Toujours en ce week-end, d'où un policier, un homme en tenue, qui dirige la circulation, a menacé un taximan, tapé le taximan jusqu'à déchirer ses habits, tout ce week-end. La faute commence, c'est que le taximan a un peu mal garé. Juste le temps qu'il a serré pour laisser son passager, il a mal garé. L'autorité est venue se mettre entier dans la voiture comme ça. Comment c'est que les menaces? Qu'on va monter en fruit avec la voiture. Menacer le gars. Le gars dit, ouais, patron, ouais, chef. Je viens juste de... Bien sûr que je sais que j'ai mal garé. Mais c'est parce que, avec l'histoire de monnaie, maintenant, comme il n'y a pas la monnaie, la femme s'est me traîner comme ça avec la monnaie et tout. Le troisième se m'a dit qu'on va partir en fruit avec ça. Il n'a pas refusé. Mais en cours de route, le taximan dit qu'il a seulement commencé à me demander l'argent, je n'avais même pas moi l'argent. Il a tapé le taximan jusqu'à déchirer ses habits. Avant le feu rouge là-bas. Que l'histoire d'abord commencé même qu'au marché. Voyez, les populations qui sont sorties comme ça, disent, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils disent que, oui, il a mal garé. Et puis quand je le parle, il me manque le respect. Les populations sont sorties. Les besquinaires sont sortis. Oh, là, là, là. Les gens posaient la question que bon, donc si tu gagnes mal, on va seulement que te taper. Que donc, si tu gagnes mal, c'est mal, on va seulement te taper. Donc, il a tapé le taximan jusqu'à déchirer son pantalon. Le monsieur dit que ouais, je n'ai même pas moi refusé de lui donner les dossiers. Je n'ai pas moi refusé de faire ce qu'il voulait. Il a dit que je démarre un pas au poste. J'ai démarré. Mais en route, il me demande l'argent, je n'avais même pas l'argent. Et il dit que je veux faire que comme ça. Pourtant, si on ne faisait même pas d'abord l'appel au commissaire qui a fait une descente sur le terrain pour calmer la situation, c'est que ça a créé l'embouteillage comme ça. C'est là où le jeune taximan est venu, il m'a dit que moi je sais que j'avais me garé. Mais c'est pendant que je vais l'expliquer, il a commencé quand même à me taper, m'appuyer le cou. Oh, lila, lila, lila. Oh, le monde est formidable, vivons seulement. Voilà. Jeune garçon, jeune taximan, viens nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend les avis du taximan. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oh, le monde est formidable, vivons seulement. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir mon frère. Pourquoi cet embouteillage ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le 16h, j'arrive au niveau du marché de l'eau. J'ai pris la place taxi pour décharger mon terre bien. Le commissariat central, il se garde devant moi disant, ils vont me défendre parce que j'ai garé ici en tant que bien. Il me dit que je négocie avec eux. Il dit négocier dans quel sens, que je vous donne 3 000 euros. On est parti. J'ai dit que bon, si c'est comme ça, je n'ai pas d'argent. Je vais vous m'amener avec eux. Ils sont arrivés ici, là, ici, ils sont venus voir le passant. J'ai dit que non, le commissariat, comme s'il m'arrive parce que c'est ce que les gens ont fait. Directement, c'est ce qu'ils ont commencé à dire. Ils sont venus me détailler. Je veux taper, déchirer les amis sur moi. Bonjour, madame, je suis bonjour. Donc, c'est lui qui a déchiré votre habit, maman. Oh, non, ça va, mon frère, ça va. Ça va, beaucoup de courage. Tapez le jeune garçon jusqu'à l'enrouler dans la poussière. Continuons encore, mesdames et messieurs, avec l'état d'insalubrité pendant qu'on parle que non. Jetez vos ordures, bien. Jetez vos ordures. Jetez vos ordures dans une poubelle. Dans la poubelle. Dans une poubelle. Pendant qu'on dit que j'étais vous aujourd'hui dans la poubelle, on a arrêté encore une autre femme de tuer, la main de tuer, avec les chats, en tout cas, avec les souris. Qu'elle a tué, où elle a mis que le remède à la maison, ça a tué les souris chez elle comme ça. Plus de, c'est-à-dire, elle a ramassé ses mains que dans la bassine comme ça, au lieu d'aller verser dans les WC ou bien dans les fosses, ou dans les bacs à ordures, elle est partie balancer ça au goudron. Mais les populations sont sorties comme, ouais, la main. Vous balancez au goudron comme ça, avec la poussière et les voitures, les motos qui passent comme ça, ça va écraser les souris. Et ça va se mélanger avec la poussière. Les enfants qui rentrent des classes, ça va, les enfants vont, ça va devenir quoi? Ça va donner les maladies aux gens. La main, pardon, excuse-moi, c'est ta route. Quand
Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est propre, c'est pour toute la nation. On a reçu aussi un cas d'accident sur l'axe Yaoundé-Bafoussé. D'où un camion a fait tonneau jusqu'à pas moins. Voilà comment le camion plateau s'est retrouvé tombé comme ça, versé sur les mains. Où le Dieu merci, ça transportait ses mains, les bagages pour voyager. Oh, là. Où c'est à quoi avec le camion? Rentrons à quoi, mesdames et messieurs? Pourtant, du côté de Bafoussé, toujours cette semaine, c'est notre camion qui est monté sur la moto. Les gens parlaient de vous, c'est le Beskine qui était en tôt. Les gens posent toujours la question que, est-ce que les Beskine et les taximans ont un problème? Voilà la moto du jeune garçon qui se retrouvait toujours en bas d'un camion. Et on demande parfois à nos frères transporteurs par moto que, pardon, on roule doucement, roulez doucement. Les gars mettent ses mains, les feux, pardon, je suis pressé. Ça, c'est comme ça du côté du feu rouge là-bas. Et encore hier soir, on a encore arrêté toujours un autre cas d'accident là-bas. Toujours la moto, en bas du camion. On prie à nos frères transporteurs par moto, avec les feuilles de fin d'année qui s'annoncent comme ça, pardon, rouler doucement. Rouler doucement parce que personne ne veut fouetter à l'hôpital. Mais nos frères partent sur le coudron comme ça, c'est l'issement, disons. Voilà la moto qui a été percutée par le camion. Derrière, avec son ami, on a retrouvé seulement que les quatre, les gars de haut, ils sont partis jouer. Ceux qu'on les a bouffés, ceux qu'ils avaient bu la bière. Le camionneur n'avait pas eu de problème. Il était sur son côté. On est venu seulement entrer sur lui. On doublait à gauche. Oh. Et on constate maintenant nos frères, ils n'ont pas eu de casque, ni de rétroviseur. Que d'autres sont partis, même comme ça, enlever seulement le tout. Bien, les motos roulent comment? Oh bah, ils ont parti opérer le tout. Ils ont parti opérer. Opérer le tout comment? Oh, ça fait bam! Mais qu'on les fait pétrer, on la moto passe comme ça parfois, vous êtes ça double ses mains dans tous les sens. Oh. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour vous permettre de vous installer confortablement, prenons d'abord la musique du jour et on se retrouve juste derrière. On va saluer tous les téléspectateurs du côté de Tchang, de Bouddha, de Douala qui nous regardent sur NG Télévision. Prenons la musique du jour et on se retrouve juste derrière. Voici venu le jour du mariage. Les hommes dans leurs beaux costumes, les femmes dans leurs jolies robes. Tout le monde à la place de fête avec maman Fanfou Denise. Madame le maire,
Dédicacer la chanson comme ça à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. On va d'abord passer un bonsoir à Alexide, monsieur Alexide depuis Fumbot qui nous regarde. On va également penser à Astrid. Voilà, Astrid. Un bonsoir spécial de ça, monsieur Nomptoma. Voilà, le militaire médecin. Il est militaire médecin. Il est même menuisier, papa. Il est juste le menuisier, donc il est comme ses bois. Non, Thomas, voilà, bonsoir à toi, papa, docteur. Bien, papa, on va passer ici papa, également à monsieur Richard, papa, monsieur Foucault Richard, qui nous regarde. Oui, mon fils. Passe un bonsoir spécial à petit Moustapha. Oui, petit Moustapha, monsieur bonsoir. Moustapha, monsieur Moustapha. On va continuer également, mesdames et messieurs, avec les Dixiades. Papa, papa. Le week-end, ça a été. Papa, qui a donné ça? Il est petit, c'est comme vous avez mis dans mon sang le matin, mais il n'est même pas mangé. Un goûter que ta mère a pris le temps pour confectionner, mettre dans ton sac. Tu appelles ça bêtise. Papa, il n'y a pas dans mon sac. Il n'a même pas mis les compléments pour manger avec papa. Il n'a rien mis. Comme quoi? Comme les arachides. Mangez ça aux caméras. Poissons, mangez ça aux caméras. Ce week-end, du côté du stade de Quincon, les dictionnaires, le ministre était là. Il y avait plein de personnalités. On avait un tour du côté du stade de Quincon. Oh, le lait. On a même fait défiler les autorités administratives et traditionnelles religieuses. Tout le monde était représenté. La danse traditionnelle. Oh, non. C'est-à-dire, c'était bien. C'était bien. Et présentement, les Jeux nationaux sont en train de se dérouler dans les différents plateaux. Il y a les boxeurs qui sont du côté de la pelouse là-bas. On a tapé notre boxeur jusqu'à l'autre année que bien. C'est seulement que la bourse ou c'est les compétitions là. Voilà le défilé devant les autorités. On va saluer tous les majestés qui étaient représentés sur les lieux au stade même. Parce que après le défilé, les artistes ont fait des prestations. On va saluer également les artistes qui ont fait les prestations là-bas au stade en direct. Et ça fait du bien parce que. Mais les populations sont sorties comme ça. Mais cependant encore, il y a les enfants qui sont rentrés en pleurant. Les enfants qui sont partis, on est parti porter les enfants comme ça, amenés au stade. Le soir, les enfants sont sortis, d'autres marchaient même qu'à pied. Ah, un enfant qui a pleuré, il a dit que le cas est parti me laisser. Le cas est parti me laisser, je partais loin là-bas, au stade de Congo là-bas. J'ai marché à pied, on m'a laissé plutôt à quel niveau. Oh, bon, ça, mais sinon la fête a été, ça s'est bien passé, ça c'était l'ouverture. Ah, parce qu'il est arrivé, il s'était papier. Et papier, c'est quoi? Il s'était garé. Ah, oh, et papier, on a dit que ne bougez pas, il s'était papier. Il s'était garé, il s'était éloigné. Il continuons encore avec les fêtes d'hiver à Récy, toujours ce week-end. Du côté de Douala, au quartier Gondi. Papa,
où un camion est tombé juste sur une petite voiture. Toujours avec l'histoire des camions. Au quartier Gondi, à Douala, voilà. Le camion qui est tombé comme ça, en tout cas, le conteneur du camion qui est tombé comme ça, écrasé une voiture pick-up. Oh, c'est pas le cas, le monsieur s'est mal dit que ça, c'est. Il n'y a pas pris de faire. Vous vous rendez compte? Vous avez votre véhicule comme ça, le conteneur sont, en tout cas, où on a vu, où on a pas. Voilà le camion. Papa, c'est qui va payer ma voiture? C'est qui va payer ma voiture? Bien, yo. Quoi? C'est qui va payer ma voiture? Donc, tu dis que. Est-ce que. On parle tout de visite technique. Où les chauffeurs partent de former les visites? Où ça n'a pas les vis? Où qu'est-ce qui s'est passé? Papa, veut dire que ça n'avait pas les vis. Sinon, on devait porter avec la malle arrière une fois. Même les camions là. Continue encore. Tu vas payer ma voiture, t'es juste. Prends le cahier. Tu avais la vis, comment? Prends le cahier, bien. Prends le cahier, prends le cahier. Que, donne-nous les devoirs. Donne-la dans fou, ma, dans fou, femme, là, dans fou, femme, même dans le bobo, là, tu deviens un enfant. Et tu fais. Prends le cahier. Donne-nous les devoirs, bien. Mm-hmm. Quels sont les devoirs des parents pendant les fêtes de fin d'année? Quels sont les devoirs des parents pendant les fêtes de fin d'année? Je vais lire, comme une presse, pour maman, le micro du président. Tu es le président? Papa, je serai. Les devoirs d'un parent qui ne peut pas les fêtes de fin d'année. Quoi? Un parent qui ne peut pas les fêtes de fin d'année pour ses enfants doit les acheter des habits bien, bien. Papa, tu n'as pas encore chiné pour moi. Tu vas porter celui de l'année passée. Monsieur Moustapha, tu vas me. Tu vas porter pour l'année passée. Ah, lis-moi ça. Une ceci, il va me offrir une ceci. Les devoirs. Voilà, pardon. Un parent qui ne peut pas les fêtes d'année. Tes enfants doivent aller acheter les jouets afin qu'ils ne partent pas sur les voisins. Cassez-les-les. Oh. Oui. Hein? Continue. Viens venir avec la carotte. Continue. Bien, monsieur. Bien. Bah. Tu vas, je vais te mettre à genoux maintenant. Vous voulez me donner l'argent. Continue. Un parent qui ne peut pas les faire dans les fêtes de fin d'année pour ses enfants doit préparer une. Un parent qui ne peut pas les faire de fin d'année pour ses enfants doit amener faire des photos surprise. Pourquoi? Enfin, quand il va se rallonger, il va voir sa tête, comment il a fait. Il y a le téléphone Android, on va faire ça avec. Et les parents qui préparent les fêtes de fin d'année pour les enfants doivent essayer de satisfaire les enfants. C'est-à-dire. Préparer pour la maison. Préparer beaucoup pour la maison. Pour que les enfants ne partent pas tout manger chez les voisins. Les parents qui préparent également les feux de fin d'année doivent conseiller les enfants à ne pas sortir la nuit. Voilà. Continuez encore, mesdames et messieurs, avec l'histoire qui trouve les parents avec les fêtes à l'école. La fête de la maternelle. La fête de la matinée, les parents se plaignent qu'on a fait le cadeau à l'école, on a changé le cadeau. Qu'on a pris le cadeau qu'on avait prévu pour l'enfant, où on a écrit le nom a seulement disparu, ou qu'est-ce qui s'est passé, où on a confondu seulement les emballages, on ne connaît pas. Et notre papa qui pleurait seulement en disant que, n'est-ce pas, j'avais donné 5 000 pour le cadeau. Donc, vous êtes parti payer que c'est le poupée de 500 ou 300. Mais c'est comme ça, on dit que non, on a confondu le cadeau de l'enfant à l'école. Mesdames et messieurs, bien, introduit. Minute publicité. Mesdames et messieurs, vous qui êtes propriétaire d'une entreprise, et bien vous la venez sur la chaîne internationale de LGTV, afin qu'on puisse parler de votre studio, afin qu'on puisse parler de votre société. Ça vous m'a dit. Sur quoi? Société. Parce que la fin d'année, et les prix ont été abattus en plein vol, et bien vous la venez. Après l'air, ce n'est plus l'air. S'il vous plaît, monsieur, venez. Voilà, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, vous qui avez les boutiques, les événements, les festivals, les soirées, vous avez les albums sur le marché, vous avez un produit que vous voulez vendre. Vendez votre produit, ne manquez pas de faire un tour ici à LG Télévision situé à l'entrée École Normale à Bafoussam. Voilà, les prix sont revus à la baisse par rapport à la fête de fin d'année. On a décidé aussi
de faire la promotion des publicités. Prenons l'élément de la semaine et on se retrouve juste derrière. On salue tous les acteurs du groupe Somo. Prenons l'élément de la semaine. Dans ce village, il faut juste qu'à dire que je suis un sorcier. J'ai la liste. Je vais vous maudire un à un. Je vais vous travailler. Comment dire que vous dites que je suis un sorcier là? J'ai mon modèle qui doit payer. Je vais entrer dans toutes les maisons, demander que les toilettes. Là, je vais mettre mes écorces partout pour me connaître. Commence chez le voisin ici. Comme il monte avec ses enfants, il croit qu'il est sage là. Mais dans les toilettes, je vais mettre les écorces partout. Balèbe. On commence chez le voisin ici. Tous les avec tes enfants sont intelligents à l'école. Tes enfants ont l'argent. Et à la maison aussi, je veux aussi les toucher. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Boutoukou. Boutoukou, c'est qui? Pardon, je veux les toilettes. Pardon. Quel genre de toilettes? Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. Je suis le voisin. Ouvrez d'abord, non? Vous dites que vous êtes ici. Vous dites que quoi? Pardon, je veux les toilettes. Jamais il n'y a pas les toilettes privées ici. Pardon? Il n'y a pas les toilettes privées ici, là. Et vous voulez vous... Non, laissez le papier, j'ai déjà le papier. Pardon? Il n'y a pas les toilettes privées ici. Et vous voulez vous. Ça, c'est le fait. Je vais en toucher une à un. Tout le monde va passer. Tout le monde va passer. Allez, ici, là. Oui, papa. Ouais. Je veux sortir, je veux arriver à Ola. Je suis à l'essive, tu peux payer la facture dans le miel. Il n'y a même pas de savon. De savon? Ok, je veux signaler au boutiquier. Hein. Je veux signaler au boutiquier, oui. Oui, je suis à l'essive, tout le monde, je veux faire signe, tu passes là acheter savon. Fais la lessive avec quoi? Il n'y a pas de savon. Mais tu laves le sol avec le savon, tu finis, tu viens, je veux te signaler au boutiquier, toi qu'on paye. J'ai ma liste. Je commence ici. Il y a quelqu'un? C'est moi, pardon. Pardon, les toilettes. Bonjour, madame. Je vais aller aux toilettes, pardon. Je vais dans le papier, je dis pardon. Il n'y a pas les toilettes. Oui, sous, pardon, j'ai la diarrhée, sous, pardon. Il n'y a pas les toilettes. Oui, monsieur, je ne tue pas. Entre alors, monsieur. Oh, merci. Merci. Voilà, les toilettes. Passez les toilettes, monsieur. C'est ça comme ça. Oui, c'est ça. Merci, ma fille. Merci, tu es gentil. Merci. Oui, merci. Oui. Okay. Mon téléphone est où? Hey. J'ai pris mon téléphone. Allez. Ouais. Elle a accepté, non? Vous allez me connaître. Comme d'eux, avec tes enfants, vous ne serez rien. Si un enfant porte la grossesse de 3 jours dans la maison, si, il va mourir. Ça va sortir. Comme d'eux. Personne de ta famille n'aura l'argent. Personne n'aura la voiture. Personne. Personne de ta famille n'aura l'argent. Yeah. Yeah. Tous les concours que tes enfants font, ça ne va pas marcher. Ma fille, c'est bien, merci. Vous avez fini, monsieur. Merci, ma fille. Tu es gentil. Merci. Voilà, ça va. Il y a tout ça que je vais te mettre. Tu vas te donner un cadeau, je suis ouvert, non? Tu es gentil. Monsieur. Bonjour, le père. Le père de quoi? Tu fais quoi chez moi? Non, je suis venu. Tu veux quoi chez moi? Hein? Les toilettes? On t'a dit que je suis chez moi, n'importe comment. Non, j'ai pissé ses mains. Pissé quoi? En tout cas, s'il arrive quelque chose, moi je te connais. Tu as compris? Merci. Papa. Il y a quoi? Papa. C'est qui ici? Me quoi? Hein? C'est qui ici? Il est venu demander les toilettes. Tu le laisses ici? On t'a dit qu'il y a des toilettes ici. Hein? Papa, on te souhaite pourquoi? Papa, il est venu demander les toilettes. Ah bon, hein? Viens ici. Je dis que ça ne va pas se passer comme ça. Yeah. 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 Bah, dans vos toilettes. Yeah. Avant le bien. C'est quoi?
vendre ici au quartier. C'est quoi? Je t'ai dit de venir ici au quartier, non? Je n'ai pas la tu vas fumer, non? Tu vas fumer ça. Je n'ai pas la j'ai dit que tu ne viens plus ici au quartier, non? J'ai dit que tu ne viens plus. Lève-toi comme ça. Lève-toi, avance comme ça. Je veux plus jamais que tu sois sorcier. Je veux quoi? Vas-y. Tu es bandit. Vas-y comme ça. Sorcier. On n'arrive plus à laisser au quartier à cause de vous. On est bandit. Ça va. Je vais te prendre. T'as bandit. Je vais te prendre. C'est la malchance que tu portes. Attends. Je vais te prendre. Yo, ça va bien nous ça avec ton corps. Mesdames et messieurs, c'est téléstateur. Voilà, je pense que le message est passé pour ceux qui veulent. Voilà. Pour rester dans l'humour du jour, prenons d'abord l'humour du jour et juste derrière, on va décrocher vos appels. Hein, parce que je vois comment ça sature les appels depuis. Prenons l'humour du jour juste pour rire. Regardons cette clip. Est-ce que c'est ça ici? On va passer un bonsoir à tous les comédiens et à tous les humoristes du Cameroun. Et on va saluer monsieur Dieudonné. Voilà, Dieudonné depuis Isaac Kam qui nous regarde également. On va saluer aussi son fils, monsieur. Son fils s'appelle qu'il a bien. Son fils ne voulait pas me donner son nom. Il a dit qu'il donne son nom, qu'il ne va pas me donner. Voilà. Qui va dire à son père? Son père va. Tu sais chanter, mon fils. Papa, il connaît chanter, non? Fais la capilla. Juste derrière, on va prendre les appels. Yes, you are. Papa, il me met debout. Oui. Tu veux me tester? Petit, tu es gâté? Petit, écoutez, tu viens, je vais te latter. Je vais te latter. Tu veux me tester? Yes, petit. Tu es gâté? Yes, petit. Bois ton thé, tu viens. Je vais te latter. Bon, ça va maintenant, ça va. Son fils là, il connaît chanter toute la chanson de mon fils. Bon, on va prendre le téléphone. Non, ça veut dire que c'est un artiste. Au téléphone, bonsoir. Pas. Voici la question du jour. Quelle est la vraie cause du divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, ma Sambutoku. Bonsoir, mon frère. Bienvenue sur Plat du Riz. Comment vous appelez? C'est monsieur Thieu André Benjamin. André Benjamin nous appelle d'où? Depuis Bouddha. Depuis Bouddha, c'est ça? Oui, monsieur ma Sambutoku. Quelle est la vraie cause du divorce? C'est le vol. Le vol, c'est ça? Et la pauvreté. Le vol et la pauvreté. En amour, il faut supporter. Donne-nous un proverbe en ta langue maternelle, André.
parti. 655, 54, 16, 23, voici la question du jour. Quelle est la vraie cause du divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Bien. J'ai ma nouvelle chanson. On va chanter ça pour le mariage. Tu comprends, mon fils? Oui. Tu vas répondre que supporter. Fais le cœur, tu comprends? Le mariage d'aujourd'hui, réponds que supporter. Oh. Chante dans le micro aussi, mon fils. Voilà. Le mariage d'aujourd'hui, même si je ne rationne pas, même si je rentre et t'en sous, même si je ne paye pas le loyer, au téléphone, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame. Madame. À qui j'ai l'honneur? 655, 54, 16, 23, ça sature les doubles appels. Insistez. Le bon numéro, c'est le 655, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? Au téléphone, boss. Oh là, ça sature les doubles appels. Insistez au 655, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Le mariage d'aujourd'hui, même si je ne rationne pas, même s'il n'y a pas le goûter pour les enfants, même si je rentre qu'on m'a donné quelques billets et que je suis sous, même si je tape sur toi, chante que supporter. Papa, qu'est-ce que c'est des bêtises, papa? Qu'est-ce que c'est des bêtises, déjà? Parce qu'Abigail, elle me menace. Ta mère me dira 656, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Bien. Dans le mariage, c'est l'homme qui a toujours le pouvoir. Tu comprends, mon fils? Oui, même si je fais quoi avec ta mère, tu comprends, mon fils? Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Oh, oui. Désolé, abattu en plein vol, insistez au 656, 54, 16, 23. Après avoir répondu à la question du jour, vous nous donnez... Bien. Choto. Après avoir répondu à la question du jour, vous nous donnez un proverbe en votre langue vernaculaire. Voilà, pensez pour valoriser votre langue maternelle. Et ensuite, vous saluez trois personnes pour chuter. Vous souhaitez jouer une belle participation à trois personnes qui vous sont chères. Au téléphone, bonsoir. Hello. Oui. Qui a cette belle voix? C'est Fanny de Toquet. Fanny? Oui. Quelle est la vraie cause du divorce? C'est quand? Pardon? L'homme tape sur sa femme. Hein? Donc, quand on tape sur la femme, c'est ça? Donne-nous un peu ta langue maternelle, Fanny. Papa, maman. Pardon? Salut, trois personnes pour sortir, Fanny. Tu comptes, oui. Et enfin, ma cousine Julie en Wache. On est ensemble, you are together, Fanny, 656, 54, 16, 23. Bien. Bien. Mon fils. Règle numéro 1. Règle numéro 1. Ne touche à rien. Règle numéro 1. Ni jamais interrompre son père quand il est en plein conservation. En plein conservation. Conservation, c'est quoi? Quand il bavarde. Au téléphone, bonsoir. S'il vous plaît, quand vous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Soit baissez le volume. Bien, règle numéro 2. Toujours être attentif quand son père parle en train de captiver des mots captivants. Voilà. Règle numéro 3. Ne jamais tourner le dos à elle. Ne jamais.
Ne jamais tourner le dos à un téléspectateur. Ne jamais tourner le dos à un téléspectateur. À un téléspectateur. À un téléspectateur. Voilà. Tu viens de faire quoi là maintenant? Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, ma femme. Bonsoir, ma soeur. Comment je vous appelle? Business. Pardon? Solange de Bamendou, c'est ça? Gisèle de Bamangou. Ah, Gisèle. Ma Gisèle. Quelle est la vraie cause du divorce? L'infidélité, c'est ça? Oui. Donne-moi un problème dans ta langue maternelle. Infidélité. Ça veut dire quoi? Sois joyeux Noël par anticipation à trois personnes. Et qui trouve un support? You are together. 655, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du... Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Au téléphone, bonsoir. Allô? Pardon? Présentez-vous, comment je vous appelle, madame? Pardon? Allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Vicky depuis Bamangou. Vicky, c'est ça? Oui. Voilà, Vicky de Bamangou. Quelle est la vraie cause du divorce, Vicky? La mésentente. La mésentente. Donne-nous un problème en ta langue maternelle. Salut, trois personnes pour sortir, Vicky. Je salue maman Nathalie depuis. Manatou. Oui. Manatali. On est ensemble, you are together. 656, 54, 16, 23. La question du jour, quelle est la vraie cause du divorce? Vous nous donnez votre proposition, ensuite vous nous donnez un proverbe en votre langue vernaculaire pour valoriser votre dialecte. Et vous saluez trois personnes pour chuter, pour sortir. 656, 54, 16, 23. On va également saluer le prince coiffé qui nous fait des grands signes. Et on va passer également à notre partenaire. On l'appelle que. Tu connais Rasta? Rasta cool. Le coiffeur. Ton coiffeur, il ne me coiffe pas. 656, 54, 16, 23. Il ne me fait pas les la... Bien, il met les tocs à toi, mais. Papa, ici, Pénouille. Tu sais ce que Betty va te faire, non? Papa, ici, Pénouille. Remets ça. 655, c'est... Mes oreilles. Bien, au téléphone, bonsoir. Pour la question du jour, quelle est la vraie cause du divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Qu'est-ce qui peut amener un couple à se représenter au tribunal pour exiger le divorce? Qu'est-ce qui peut amener donc un couple au tribunal pour vouloir demander le divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Et on va saluer tous les fans de la toilette. Voilà. Ils sont partis là-bas répondre. Donc, on salue tous les fans de Place du Rire sur la toile. 655, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Les doubles appels, ça. 655, insistez là-bas. Au 655, 54, 54, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Bien. Papa, branche-moi. 655, 54, 16, 23, on va souhaiter déjà jouer une nouvelle participation à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de par
le ciel de l'ouest et du littoral. Et on pense également à ceux-là qui nous regardent dans le centre. 655. De l'est à l'ouest. De l'ouest à l'ouest. De quoi? De l'ouest à l'ouest. De l'est à l'ouest. De l'ouest à l'ouest. 655 54 16 23 au téléphone, bonsoir. Betty. Betty. Bienvenue sur Plat du Rue. Comment vous appelez? Je m'appelle Maman Louise de Pitio. Depuis Chauvry. Maman Louise. Oui. Quelle est la vraie cause du divorce? L'incompatibilité du maire. Oui. L'incompatibilité du maire. Du maire. Du maître. Donne-nous un proverbe de langue maternelle. Ne te courbe jamais pour regarder la nuit de ton frère, car le tien te se voit plus. Salut, toi, personne vous sortit, ma Louise. Je commence par vous dire, toi et ton fils. C'est invisible, ne le salue même pas. Salut. Et moi-même. Voilà. On est ensemble, Maluise, 656, 54, 16, 23, 8, Tigre. Maluise, on va saluer tous nos mamans. Bien, écoute-toi, respecte le cadre. C'est la clim, on va arrêter la clim. Écoute-toi. 656, 54, 16, 23, il nous reste encore quelques 5 minutes pour prendre nos téléspectateurs au téléphone. Au téléphone, bonsoir. Merci, bonsoir. Bienvenue sur Plat du Riz, comment vous appelez? Je m'appelle Monsieur Mbois. Monsieur Mbois nous appelle d'où? Depuis Paris. Voilà. Monsieur Mbois. Oui. Quelle est la vraie cause du divorce? L'infidélité. Pardon? L'infidélité. Donne-nous un problème en ta langue maternelle, Monsieur Mbois. Que l'on te parle d'où? Ça veut dire quoi? Papa, il a donné un faux proverbe. Non, il a donné un proverbe à sa langue maternelle. Il n'a pas pu nous donner la version française. Papa dit que Betty vient brancher, non? Au téléphone, bonsoir. Betty, on va tout. On y fout votre là. Bien. Bah. Shut up. Bonsoir. Bienvenue sur Plat du Riz. Comment vous appelez? Betty, comme t'es bien. Bien. Pardon? Cyril de Terminus, c'est ça? Voilà, monsieur Cyril. Oui. Quelle est la vraie cause du divorce? L'infidélité. Donne-nous un problème en ta langue maternelle, monsieur Cyril. C'est Jerry. Ah, Jerry, voilà. Ça veut dire quoi en français pour ceux qui n'ont pas suivi? Non, en français, ça veut dire que avant de dégager ma main sur le tam-tam, en dégageant ma main, avant de dégager ma main sur le tam-tam, toi, amitié, c'est une. Salut, toi, personne pour sortir, monsieur Jerry. Ça, il a donné un grand coup, bébé. Sans doute par toi et ton fils, le Nizibé de la. Vraiment. Il m'appelle encore Nizibé. Il est venu chez vous pour la fête. Je n'oublie pas Marco Carlos. Oui, du côté de Bouddha. Marco. Et je termine par M. Dimitri Foba. Voilà, mon ami personnel. Je vais tout 655, 54, 16, 23. Oh, quelle est la vraie cause du divorce? 11 devant 11. Pour la suite, au téléphone, bonsoir. 11 devant 11, Marco. Bienvenue sur Plat du Riz. Comment vous appelez? Je m'appelle Abidjan. Abidjan, c'est ça? Abidjan nous appelle d'où? Abidjan. Abidjan. Tu parles bien au téléphone, hein? Allô, Abidjan. Allô. Oui. Oh, you are together. 656, 54, 16, 23. Voici la question du jour. Quelle est la vraie cause du divorce? Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Ensuite, vous nous donnez un proverbe en votre langue maternelle pour valoriser votre dialecte.
Même s'il n'y a pas un coq pour chanter à 5 heures du matin, le jour a tout se lever. Me coacher de pas si nous n'avons tourné tout. Bezougolo. Papa, c'est toi qui a inventé le pouvoir de l'âne. Il n'y a jamais ça dans le livre. Dans quel livre? Recoute-toi. Recoute-toi. Papa, il y a le foie. Recoute-toi. Papa, il y a la lumière. Papa, ça fout. Recoute-toi. Papa, ça fout. Simon, coupe sa caméra. Coupe sa caméra. Recoute-toi. Papa, ça fout. Papa, c'est père. 656, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Il n'est pas père, petit. Au téléphone, bonsoir. Il n'est pas père de toi. Il n'est pas père de toi. Quelle est la vraie cause du divorce? Deux minutes encore, et puis on va mettre thème aux appels. Merci à tous ceux-là qui nous font de grands signes avec des messages. Mais on prend que les appels. 655, 54, 16, 23. Quelle est la vraie cause du divorce? Au téléphone, bonsoir. Merci, Yatougara. Merci d'être passé. Bien, ne touche rien. Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. Et puis on va... Au téléphone, bonsoir. Oh, les doubles appels. Quelle est la vraie cause du divorce? 655, 54, 16, 23. C'est le bon numéro. Au téléphone, bonsoir. Ah, allô? N'appelez plus, n'appelez plus, n'appelez plus. Les doubles appels, ça nous dérange. N'appelez plus. Coupez comme ça avec les appels. On va dire merci à M. André qui a proposé le vol. Voilà. Et la pauvreté. Le vol et la pauvreté. Merci également à Maman Fanny. Fanny qui a proposé quand on tape sous la femme. Merci à Madame Gisèle qui a proposé l'infidélité. Merci à Maman Vicky qui a proposé la mésentente. Merci à Tata Louise. Louise est passée. Non. Voilà. Merci à Maman Louise qui a proposé l'incapacité du mépris. Voilà. Merci également à Monsieur Bois, voilà, qui a proposé l'infidélité. Merci également à Dédier qui a proposé l'infidélité. Merci à Bidias, qu'on n'a pas noté sa proposition. Pour nous, la question était celle de savoir quelle est la vraie cause du divorce. Quelle est la vraie cause du divorce? Pour nous, la bonne réponse, il fallait tout simplement dire la vraie cause du divorce, c'est le mariage. S'il n'y a pas mariage, on ne peut pas divorcer. Donc, on peut pas demander le divorce quand on est marié. S'il n'y a pas l'acte de mariage, on ne peut pas demander... Le divorce, la vraie cause du divorce, c'est le mariage. Merci à tous ceux-là qui ont appelé, merci à vous tous qui avez regardé l'émission. Merci à tous les techniciens qui ont produit l'émission, merci à M. Frendia, merci à M. Simon, merci à Seyoussa pour les éléments de la semaine. Merci du côté de la technique là-bas, merci à tous les régies, à la secrétaire de NG Télévision, merci à toi, Mme Fallon. Appelez-moi Massambutuku, le père de... Le père de Mbiata. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.